different side to me, don't know. Different to the child with the smiley new photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers pull my number when I'm sleeping. Bonjour à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui je vais proposer ma candidature pour Gear Network. Alors je m'appelle Vincent, j'ai 16 ans et j'habite en France. Alors mon pseudo dans le jeu c'est Dax et donc pour ceux qui connaissent pas Gear Network, c'est un site proposant des réalisateurs et des vidéos de grande qualité, toujours avec du contenu original sous forme d'émissions. Alors pourquoi Gear Network ? Ben tout simplement parce que j'adore la communauté présente dans ce site qui est toujours axée sur le partage, sur l'entraide, mais aussi pour me permettre de présenter mon travail de vidéo à des gens de qualité, justement à des réalisateurs qui font des choses de qualité, et de pouvoir partager justement mon travail à travers cette bonne communauté. Alors ma chaîne, elle a 6 mois, enfin exactement elle a 1 an, mais ça fait 6 mois que je la gère et que je fais des vidéos dessus. Et j'ai à l'heure actuelle 167 abonnés et 4862 vues, à l'heure où je vous parle bien sûr. Et donc voilà, pour l'instant c'est tout. Ce que je fais sur ma chaîne, c'est principalement du Minecraft en solo ou en multi. Je fais même des petits tutos parfois, mais bon, c'est pas ce que je fais, pas la principale activité de ma chaîne. Alors quand je fais du solo, c'est pas du solo classique comme des aventures toutes bêtes où je dois survivre, me construire une maison et tout ça. Ça inclut ça, mais j'ai d'autres objectifs plus originaux et des objectifs donnés par la map à accomplir. Ce qui rajoute une petite originalité à l'aventure. Pour le multi, c'est la même chose, sur des maps aventures hein, principalement assez exceptionnelles, très belles ou très bien faites, que je choisis soigneusement. Et je le fais avec des amis, avec qui on s'entend très bien, avec qui on rigole beaucoup, ce qui promet un grand fun dans chaque vidéo. Alors, je fais aussi du Trackmania. Alors, Trackmania, c'est un jeu de voiture français qui intègre une personnalisation quasi complète, c'est-à-dire on peut personnaliser ses voitures, ses circuits, ses musiques, ses klaxons, enfin bref tout. Et on peut aussi personnaliser ses replays, c'est-à-dire les enregistrer, enfin d'abord les customiser à partir du logiciel, enfin à partir du jeu, à partir d'un éditeur puissant dans le jeu, puis les shooter au format AVI, ce qui permet de créer des replays d'assez bonne qualité visuelle, tout en ayant son propre mouvement de caméra, ce qui peut créer quelque chose d'assez énorme. Alors, pour parler de ma qualité vidéo, toutes mes vidéos sont en 720p. Avant, mes vidéos, je savais pas comment configurer un logiciel et tout ça, mais bon, maintenant j'ai appris, du coup, toutes mes vidéos sont en 720p. J'ai seulement 2 vidéos sur ma chaîne qui ne sont pas en 720p, c'était mes toutes premières. Alors, j'essaye tout le temps de proposer du contenu original et inédit pour éviter d'ennuyer mes viewers et mes abonnés, parce que ce que je veux c'est jouer avec passion, c'est-à-dire moi non plus ne pas m'ennuyer pendant que je joue, mais aussi amuser ceux qui regardent mes vidéos, parce que si je fais ça c'est déjà par passion comme je vous l'ai dit, parce que j'aime me filmer, parce que ça me propose une nouvelle expérience dans le jeu vidéo, mais aussi j'aime amuser par ailleurs ceux qui regardent, parce que ça me fait plaisir de voir que ce que je fais ça plaît. Bon, pour parler du contenu inédit, c'est plutôt toujours de trouver une idée qui a jamais été faite, comme par exemple pour ma série I am the zombie où j'incarne le zombie et que je me bats contre des Steve par exemple. Il y a plein d'autres objectifs et tout là-dedans, mais on va pas s'étaler là-dessus. Bon ben, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle aura retenu votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée. Continuez toujours comme ça avec votre site, proposez toujours autant de bonnes choses, ça m'a permis de découvrir beaucoup de grands youtubeurs là-dessus, et je vous en remercie fortement. Allez, bye bye.